Ok, donc y'a Max qui vient de s'évanouir. Oh putain, le skin de Macron. Ah, ça m'a buté. T'as spawn dans moi, ça m'a buté. Comment on fait pour revenir sur Terre? Mais t'as bu sur V. Oh là 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 là. C'est vrai, Emmanuel Macron, vous êtes vraiment un noob. Oh putain. Oh là. Oh putain. Fais gaffe, fais gaffe. Il fait quoi? Oh putain. Il vient de tuer le président de la Corée du Nord. Oh, ce malade. Il y a Emmanuel Macron en fond, sérieux, c'est un scandale, quoi. Ouais, c'est vous que je parle, Emmanuel Macron. Allez, cassez-vous du cadre. Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, nous allons faire la guerre nucléaire entre 4 pays. Effectivement, le dernier épisode avait extrêmement bien marché. C'est une série que vous adorez. Donc, n'hésitez pas à le montrer en commentaire. Et n'hésitez pas à le montrer avec les likes. Bien évidemment, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Je vais appeler les 3 autres présidents à venir se présenter. Moi, déjà, je suis Vladimir Poutine, le président de la France. Ah non, pourquoi moi? Vous avez une voix, monsieur le président, c'est bizarre. Monsieur Macron? Oui, bonjour. Alors présentez-vous en une phrase, monsieur Macron. Merde, j'ai oublié mon slogan. Chantez la Marseillaise, chantez la Marseillaise si vous voulez. À nos enfants de la patrie. Oh là, ok, c'était une catastrophe. Allez, au revoir, monsieur Macron, merci. Nous appelons Emmanuel Macron, mais appelez-moi Emma aujourd'hui. Matron, oh là là. On n'a rien compris. Bon, s'il vous plaît, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Oula, il est bizarre. Bon, bonjour, monsieur Kim Jong-un. Avez-vous un mot à dire à notre caméra? Je préférais Trump. Ah d'accord, bon, mais merci. Et nous appelons le président des États-Unis d'Amérique, monsieur Biden. Bonjour, monsieur Biden. Comment allez-vous? Je vais conduire la Corée du Nord en justice nationale. Donc, c'est-à-dire que vous allez leur envoyer des bombes nucléaires sur la gueule? Je vais péter la gueule. D'accord, bah c'est parfait. Mes chers présidents, chacun va devoir se diriger vers son camp et nous allons commencer cette guerre nucléaire. Monsieur Macron, vous avez les codes nucléaires, ça va? Vous savez vous utiliser la bombe? J'ai oublié. D'accord, bon bah, on est bien parti. Oula, ouais, bon, on voit que les États-Unis se sont préparés. Oh putain. Ah oui. Je pense que le président de la Corée du Nord a intérêt de se barrer et vite. Nous avons juste ici le camp de la Corée du Nord, le camp de la Russie juste en face. La map est la plus grande qu'on puisse faire actuellement sur Garry's Mod. C'est toujours la même map, sauf que j'ai rajouté 2 camps. Et nous avons la France qui est juste là-bas. La France est débutante dans la guerre nucléaire, donc les amis, soyez indulgents s'il vous plaît. Oh, attends, mais il s'est passé quoi là? Ah, mais il t'a envoyé déjà une bombe sur la gueule! L'Amérique m'attaque déjà là! Et les États-Unis sont pas très fair-play quand même, hein, quand tu vois. Eh, clairement. Monsieur Macron, pardon. Écoutez, je vous invite à mettre votre bombe et à commencer à bombarder un pays que vous voulez. Très bien. On va commencer par exemple pour le moment avec une Little Boy. Oh, quoi? What? C'est pas assez tout! La France s'est fait exploser elle-même! T'as envoyé où la bombe bébé là? Non mais j'ai pas fait exprès, je sais pas, j'étais avec mon fusil-gun et puis elle a volé. Oh putain. Ok, c'est très mal parti pour la France. C'est plus facile pour nous. Enfin moi tout va bien. Non, elle a explosé, je sais pas, middle map. J'sais ouais pas. C'est ça. Ok, bon bah écoutez, la France a perdu son tour du coup. Il est temps pour la Russie d'attaquer un pays. Mettez-vous dans vos bunkers messieurs dames, c'est parti. Oh. Oh bah on a une équipe. Bon bah... Comment va la France? Carbonisée. Ah, mais tu l'as vu arriver la bombe là? Moi non. Mais elle est arrivée à une vitesse, what the fuck? Elle a décollé mais genre plus qu'une fusée. 1-0 pour la Russie vs la France. Du coup nous invitons maintenant la Corée du Nord à tirer sa bombe nucléaire. Elle arrive bientôt. Ok, oh putain. Oh putain. Ça va être pour ma... C'est pour ma gueule. Oh putain, attendez. Oula. Oh la vla, oh la vla. Oh putain. Corée du Nord a atomisé. What? Attends, mais t'as lancé la Little Boy là? Ouais. Oh putain. Eh mais elle est puissante quand même, hein. Ah ouais, la puissante, okay, mais Max est toujours en vie, hein, notez. Non, il est mort, il est mort, il est mort. Bah écoutez, je crois que c'était aux États-Unis d'attaquer maintenant un des pays présents sur cette carte. Max, je peux accepter une trêve. Il a atomisé, puis après il veut la paix. Ok, oh putain. Oh putain, quel con. Quel con! Je me suis fait exploser moi-même! Et je suis pas mort! Et on se moquait de moi! Et je suis pas mort, hein! Grâce au bunker! Hein. Si les États-Unis agressent la Russie, ils font une grave erreur tactique! Non! Non, me dis pas que tu t'es atomisé toi-même! Je t'ai activé sans le faire exprès! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh là là, vous voyez que le niveau a baissé, hein! Les pays sont faibles maintenant!
Bon, sauf la Russie, hein, comme d'habitude, qui est un pays fort. Et la voilà. Corée. Et la Corée. Ouais, la Corée, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, vu que la Corée a dit ça, je pense que mon prochain missile va être pour eux. Ah ouais. Ouais, je pense, ouais. Emmanuel Macron, êtes-vous en train de développer une bombe surpuissante ou pas, là? Oui, tout à fait. D'accord, parce qu'en attendant, bon, faudrait pas qu'elle explose devant chez vous, ça serait un peu bête. Ah non, 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 non. Oula, t'as balancé ta bombe? Bah, ouais, je sais pas où elle est partie. Ok, pourquoi elle explose pas, d'ailleurs? Bah, bonne question. Eh, mais je vois Pixie en train de mettre sa bombe. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle la balance pas avec ton physique gun comme ça. Mais je fais pas exprès, elle part toute seule. En fait, elle est capitale. J'ai très peur de m'en approcher. La France est un danger. Ah ouais, de ouf. Moi, je m'approche pas de chez eux. Hein. Oh putain. J'ai vu l'explosion de Tibet. Double explosion pour la France. Bah, vu qu'elle avait mis sa bombe, c'était trop facile. Oh. Bon, la France, pour l'instant, se fait démonter par tous les pays. Là, là franchement, j'ai plus aucun mot pour eux. Ça serait pas à moi là d'envoyer une petite bombe? Oh là là, la Ivy King. Oh là là, elle est magnifique. Je pense qu'il y en a qui devraient s'abriter. Je dis ça. Je dis rien. Ok, bon, ma bombe, je sais pas trop comment elle va partir, mais. Ouais, ok. Dans 3, 2, 1. C'est parti! Regarde. C'est parti! Oh, la Corée du Nord a déjà posé sa bombe. Elle est où ma bombe? Elle est où? Mais je sais pas. Moi, perso, je la vois pas. Non plus. Je vois celle de Kim Jong-un là-bas qui est posée. Mais ouais, ouais, la mienne elle est posée. Attendez, 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 attendez. Je crois qu'il y a un problème avec mes bombes. J'arrive. Avec les miennes aussi. Je suis un petit temps mort, j'arrive. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a un problème. Ouais, ouais non, toi, Pixel, c'est vraiment ouais, les bombes le problème. C'est surtout pas l'utilisateur des bombes, c'est. Ah non. Eh ben écoutez, 3, 2, 1. Voilà. C'est à la Corée du Nord d'envoyer son prochain missile. Ah bah là, va y avoir un malheureux. Oh là, attends, 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 je te vois tourner ta bombe là dans des endroits que j'aime pas trop. Non, mais t'en fais pas, elle va pivoter. Elle est faite justement en fait pour ça. Je la vois pivoter dans mon sens à moi, c'est normal ça? Et non, non, tu te trompes. Oh bordel. Alors là. Allez. Allez. Bien fait. Ah non, mais what? Là, tu peux envoyer la mégatonne bombe. Ah, celle-là, elle est pas trop mal. Trop tard, j'en ai une de prête. Je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, elle a pas explosé, alors... Manu, que Manu. Pourtant, je me suis fait... Manu, écoute-moi bien. Moi, Vladimir, si toi vouloir utiliser bombe de merde, toi pouvoir. Ah. Pas de soucis. Merci, mon ami. Non, pour rien, pour rien, parce que je me prépare. Oula, oula, oula. Oula, oula. Qu'est-ce qu'elle... Je sais pas. Ça, tout va bien, tout va bien. Ok, c'est bon, je vois sa bombe, c'est, je c'est la sous vois. Contrôle. Je c'est sous aussi. Contrôle. Qu'est-ce qui était sous contrôle là? Parce que moi je la pose et limite sans faire exprès je donne un coup dedans et bah c'est parce bon, que quoi. Justement faut pas trop la toucher. C'est une bombe. Si tu lui mets des coups de pied dedans c'est sûr que bon elle va pas trop apprécier. Mais même pas en plus. Oh putain c'est parti vers... What? Elle va où? Elle va où? Mais où? Mais je crois qu'elle revient dessus. Je crois qu'elle te revient dessus. Oh non. Mais si. Hé hey, quel tricheur. Elle était pas au point hein. Oula, oula, wow, what the fuck. Ah c'est une vraie bombe de la Corée du Nord hein, parce que... Elle sait même pas où elle va. Oh, 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 elle monte, elle monte. Mais what? Oula. What, elle a explosé en l'air. Oh, ça se suit hein. Ouais de ouf, j'ai jamais vu un truc pareil arriver, franchement. Ok, les États-Unis d'Amérique doivent envoyer leur bombe nucléaire. La mégatonne bombe. La mégatonne bombe. Et ensuite, ah oui. Sera la Tsar Bomba. Et là, bon, la Tsar Bomba, je pense qu'on pourra tuer deux pays en même temps, à mon avis. La mégatonne, elle est énorme. Mais attends, mais la bombe de la France, va savoir pourquoi elle est en plein milieu de la map. Oui, je suis venu la poser délicatement. Elle triche. Oh putain, elle envoie même pas de son pays. Ça, peut-être que ça arrivera chez quelqu'un. Oh là là, mais quelle tricheuse. Ben, là, vu comment elle est tournée, j'ai peur qu'elle revienne sur toi, mais enfin bon. Tu crois? Je sais pas, on verra bien. J'espère qu'elle va aller bien droit. Et oui, tu t'appelles pas la France ni la Corée du Nord. Oh quand là même. Là, elle est énorme. C'est, je sais pas pourquoi, c'est dirigé vers la Russie, j'ai l'impression. Moi, je dirais plus que la France. Faut que j'augmente un peu la puissance, parce que c'est un peu lourd. Oui, ah oui, faut en mettre. Moi, j'en ai mis 10 des thrusters. Oh là là. Oh putain. Oh là là. La France va-t-elle réussir à tuer un dirigeant pays? Pour l'instant, c'est mal barré. Mais enfin bon. Je vois leur bombe. Je vois la bombe de la France. Tout le monde est dans son même cœur. Oh, dans le cou- oh là là.
J'ai très très peur, rien que de manipuler pourquoi y a deux ça bombes, quoi. Du côté de la France. Je sais pas, la France, en fait elle envoie le plus de bombes possible, tellement elle y arrive plus. Oula, oula, vous avez un chat, monsieur Macron? Oui. Ah, d'accord. Gentil, Minou, gentil. Le pauvre chat. Ah, oula, 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 la bombe fait des drifts. Oh, la bombe fait des drifts. Tous dans la merde. Oh là là, la France, terrible. La France est encore décédée, messieurs dames. Adieu. Oh putain. Elle va où? Oh, chez Max. Oh. Oh non, c'est une personne. Ah, tu l'as envoyé entre nous deux. Oh non. Putain. Maintenant, vous devez utiliser la Tsar Bomba. La bombe la plus puissante qui existe sur cette planète. Ok, je livre la Corée du Nord avec la Tsar Bomba. Bon, en même temps, c'est les Russes qui l'ont inventé, donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. On peut rien dire, hein. Je vous donne la Tsar Bomba si... Merci bien. Oui, non, mais attendez. L'argent. Ah. Ah bah ouais, vous croyez où, Kim Jong-un, là? On va dire ça en échange. Ah ok, je vous prends votre fusée. Voilà, parfait. Oula, oula, c'est écrasé. Bon, allez, je me casse. Vous êtes bien fait arnaquer. Mais pourquoi? Ça va, je suis pas morte. Alors, si c'est pas un échec, je vais la lancer maintenant. Ok. Alarme nucléaire, c'est peut-être un échec. Alors, attendez. Oh, putain. Putain, elle va vers moi. Oh non. Elle revient vers la Corée. Elle revient. Oh, elle part vers les États-Unis. Oh, elle part à fond vers les États-Unis. Bon, bah, elle tourne vers la France, vers la France. Oh putain, oui. Oh putain, mais attendez, elle fait quoi cette bombe? Tu auras réussi à détruire la France ainsi que les États-Unis d'Amérique. Et moi-même aussi. Et moi-même. Ah, et toi-même. Bon. Bon, moi, je vais pas vous cacher que j'avais quelques soins dans mon bunker et que du coup, ben, j'ai pu me soigner et je suis en parfaite santé. Voilà. D'accord, donc tu triches quoi. Attends, pardon. Pardon, la France. Enfin, Manu, qu'est-ce que t'as dit? T'aurais pu me dire que je pouvais prendre des soins quand même. On peut vraiment tuer trois pays en fait, hein. Je pensais. La Tsar, elle a abusé. Si j'avais pas eu les soins, je pense que tu pouvais tuer les quatre pays. Voilà. Il n'est pas très serein. Il a peur, hein. Il a peur lui-même. Même lui, attends. Oula. Oh, oula. Oh, elle vole. Elle vole. Oh putain. Je crois qu'elle va vers la France. Oh là, c'est la merde. Oh non, elle revient vers les States. Elle revient vers les States. What? Mais c'est un vaisseau spatial. Mais oui, de ouf. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, je vois pas. Bon bah la France, je peux vous dire bye bye. Hein. La France, elle est dans la merde. Emmanuel, vous voyez la bombe arriver? Ah oh wow, wow. Putain de merde. Oh, il va tuer. What? Mais c'est chiant. Il a failli mourir. Elle est horriblement puissante. Waouh, ouais, non, franchement, elle est vraiment très puissante. Et il me reste 3 HP. Oh putain, j'ai peur. Ok, c'est bon. Je crois qu'elle l'a dirigé vers les States. Oh, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, ça a toujours pas c'est normal. Je crois que c'est la Corée du Nord. Oh putain. Oh, oh putain, la... Oh, la... Ah, ok, bon bah écoutez, c'est à moi d'utiliser la Tsar Bomba pour terminer. Il va nous en mettre 2. Non, non, j'oserais pas quand même, j'oserais pas. Pourtant j'en vois plusieurs, il me semble. Non mais, c'est pas parce que vous biglez, d'accord, qu'il faut venir, voilà. Manu, vous êtes prêt? Oui. Vous allez rejoindre une autre galaxie. Ouh là là. Vous croyez qu'on était amis? Vous m'avez quand même envoyé une Tsar Bomba dans la gueule. Je peux pas dire. Pas exprès, c'est vous qui l'avez installé, monsieur. Ouais, c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon alors là, je suis pas qui. Oh, mais tu as tué tout le monde là? Mais non, mais non. T'es ça. Oh putain. Il aura juste fallu 3 Tsar Bomba. Mais... Déloyal. Mais bah, pas du tout. Bah... C'est juste que j'ai la technologie supérieure à vos pays. Bon, ragez pas les gars. Les amis, comme vous l'aurez vu, la Russie est la grande gagnante, bien évidemment, de cet épisode. Vous faites quoi, Emmanuel? Ok, attendez, attendez. Là, je crois que Manu veut se battre. Oh putain. Manu m'a tué. Tuez Manu. Tuez Manu. Emmanuel. Oh, oh oui. Oh. Oh, il m'a plaqué contre le mur. Oh. C'est n'importe quoi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Salut.